Allez, je te montre comment mettre une coque isole. Alors déjà, dans un premier temps, tu as mis ta plaque de distance de sécurité, d'accord, elle est fixée, elle est nickel. Donc maintenant, place à la coque isole. Alors la coque isole va te servir à venir protéger tout ce qu'il y a autour du tuyau sur 8 cm, parce que c'est la distance de sécurité qu'il faut sur de l'inox Galva. Donc ton support de la plaque est nickel, propre, d'accord, il n'y a rien autour, il est bien mis, c'est parfait. Alors la coque isole, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Donc tu vois, tu as un cerclage en fer, ok. Tu as de la laine de roche tout autour compressée et tu as l'épaisseur 8 cm ici. Donc déjà pour procéder, tu vas enlever les petits anneaux là. Donc hop. Et hop. Donc ensuite, tu vas venir ouvrir ton cerclage, d'accord? Et tu vas enlever une partie de ta laine de roche pour pouvoir le mettre autour. Alors comme tu peux voir là, tu vois, j'ai pas mis la petite longueur en bas parce que sinon avec les anneaux du cerclage, tu vois, du collier, ça m'aurait gêné pour l'épaisseur parce que ça fait vraiment l'épaisseur du tube. D'accord? Le diamètre du tube, pardon. Donc là, tu laisses vraiment sur la hauteur de ta coque isole, donc si elle fait par exemple 35, tu vas laisser 35 cm de tube mais lisse pour pas être embêté quand tu vas venir refermer ta coque isole. Donc tu vois, dans un premier temps, je vais mettre la coque là en laine de roche toute seule, tac. Je vais faire la même chose avec la deuxième, ok. Donc que je te fasse voir en direct, hop, voilà. Donc là, tu vois, voilà. Tu vois, la coque s'est mise parfaitement autour. Maintenant, on va passer sur l'armature. Alors l'armature, moi je dis armature, mais c'est juste un cerclage. Donc le cerclage, tu vois, c'est ça. Donc tu as juste à le mettre autour. Et une fois que tu as fait le tour, tu viens, tu vois, contre le sol. Et tu vas venir, tu vois, remettre tes colliers. Ok? Ça va permettre de bien bien serrer donc ta laine de roche. Hop, voilà, et tu remets tes clips, très important, comme ça évite que ça s'ouvre. Et voilà, tu vois, regarde, tu le mets en haut et en bas. Et c'est pareil sur ton clip, tu vois, il faut toujours commencer par ce petit morceau-là, c'est plus simple. Tu vois, regarde. Hop. Et tu fais le tour. Et voilà, et le tour est joué. Donc j'en ai mis un en bas, un en haut. C'est fermé, c'est tout cerclé. D'accord? Ça plaque bien le plafond et tout est bien serré. Tu vois, la jointure, c'est nickel. Et là, ça risque rien. T'es dans les normes, mon gars. Allez, mon aventurier préféré. À bientôt.